Alors, Bessiata Dishmaya, Davret Amoud Alef, on recommence Zayin Amoud Bet en bas de la page. On est arrivé aux deux points. Amar le Rabbi Yitzhak le Rav Nachman. Donc, Rabbi Yitzhak, il a dit à Rav Nachman, Maïta Ama, lo ate mar le Bekenishta le Tzalouye. Pourquoi Mar, donc il parle, c'est Rabbi Yitzhak qui demande à Rav Nachman, pourquoi Rav Nachman, tu viens pas au Bet Knesset pour faire ta tfila? Amar le, il lui a dit, lo yachilna, je peux pas. En gros, je suis trop fatigué. Amar le, les Khanfe, les Mar, Asara, Velitzale. Alors, on n'a qu'à inviter, tu as qu'à inviter 10 personnes à venir faire la tfila, et vous faites la tfila chez toi, au moins tu fais la tfila avec Minyan. Amar le, il lui a répondu, Tricha limilta, c'est trop difficile pour moi, même ça, j'arriverai pas. Velema, les Mar, les Shloucha, les Tzibura, il a qu'à le faire la tfila en même temps. Il a qu'à demander au Chaliar Tibour de lui dire à quel moment il fait la tfila. Et comme ça, il fait la même chose en même temps, mais il donne les mitzvahs des tiboura. L'été, Vélodé, les mains, au moment où le tibour va faire la tfila, il va venir et il va dire oh, Rav Nachman. À Marley, il lui a dit Maï Kulehai. C'est quoi le besoin dans ça? Quel est l'avantage? C'est quoi ce besoin-là? À Marley, Behamar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai. Maï Dirtiv. Pourquoi il a marqué Vani? Tefilati lecha Hashem, et ratzon, et matai et ratzon, c'est quand ce et ratzon, beshaash, tibour mitpalelin. Au moment où le tibour, il est mitpalel, au moment où il y a 10 personnes qui font la tfila, à ce moment-là, c'est un et ratzon. Et donc, si jamais je fais ma tfila en même temps que lui, même si je ne suis pas avec les 10 personnes, alors les portes du ciel sont ouvertes. Oui, c'est un et ratzon, un moment propice. Rabbi aussi. Mais Rabbi Hanina Amar, Meacha, Rabbi aussi au fils de Rabbi Hanina, il dit non, on n'apprend pas de ce pasouk-là, que quand 10 personnes prient, hein, c'est un et ratson, on apprend de notre verset dans Ishaya. Ko Amar Hashem, Be'et ratson, Aniticha. Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, Be'et ratson, dans un moment propice, Aniticha, je t'ai répondu à toi personnellement. Ouais. Donc de là, on apprend que la prière du Yachid, elle a plus de force. Même, enfin, il a répondu à la prière du Achid au moment où c'était un Etratson, et le Etratson, il comprend que c'est quand il y a 10 personnes. Rabbi Acha Berabbi Hanina, Amar Meacha, Rabbi Acha Berabbi Hanina, il dit dans notre endroit, En El Kabir Velo Imas, que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas. C'est-à-dire, il aime la tfila, hein, il rejette pas la tfila du Tibo. Urtiv, et il y a écrit dans Teilim, Pada Veshalom Nafshi, Mikerav Li. Qui berabim hayu imadi. Donc David Amelach il dit que Akadosh Baruch Hu il a sauvé des guerres, ouais, parce que ils étaient berabim, ils étaient avec un, il y avait un minyan. Tania Namiachi, on a aussi une braïta qui nous dit Rabbi Nathan Omer, au nom de Rabbi Nathan, minayin, d'où est-ce qu'on sait chez Akadosh Baruch Hu moes betfilatan shel rabim, que Akadosh Baruch Hu il rejette pas la tfila du rabim. Chenehemar, en el kabir velo imas. Donc on apprend du même verset, la braïta apprend du même verset. Urtiv, pada bejalom nafshi bikerevli. Et juste après, il ramène aussi le pasouk dans Teilim qui dit que Akadosh Baruch Hu il a protégé David pendant les guerres. Amar Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il dit Kol haosek batora ugminut chasadim, ou mitpalel imatibur. Donc tout celui qui est osek batora et qui fait du chesed, ugminut chasadim, ou mitpalel imatibur, et il fait cette fila beminyan. Je monte sur lui comme si il a fait relever mon nom et mes enfants d'entre les goyim. Pourquoi? Parce que quand il y a un tzibour, il y a 10 personnes, ça fait plus un rochem, et donc le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est glorifié. Amar Resh Lakish, kol mi sheyesh lo bet haknesset beiro. Donc Resh Lakish dit, tout celui qui a un bet haknesset dans sa ville, Veno nichnas sham leitpalel, et il rentre pas là-bas pour faire la tfila, nikra shachen ra, il est appelé un mauvais voisin. Chez Nehemar, comme il est écrit dans Irmiya, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, Akol shechenai araim, tous mes voisins mauvais, anogim qui anogim banachala, ouais, asher inchalti, anogim banachala, ouais. Qui ne font pas attention à la nachala, à l'héritage que j'ai donné, à Kalmana, le Bet Knesset ici, à Cher Inchalti et Ami et d'Israël, que j'ai donné à mon peuple, le Ham Israël. Vélohod, et pas seulement ça, et là, chez Gorem, Galout, Lo, Ulvanav, il engendre chez lui et chez sa famille la Galout,
ils vont partir en galoute, chas v'shalom. Sheneemar, ineni notesham, me'al admatam, ve'et bet Yehuda, etosh mitocham. Donc, je vais les enlever de leur terre, et bet Yehuda, etosh mitocham, et bet Yehuda, je vais les faire... arracher. Les arracher d'entre eux. Ouais. Chas v'shalom, non, allez, non, exactement. Bon, Baruch Hashem, on priait à Bet HaKnesset. On est au Bet HaKnesset. C'est un Bet HaKnesset. On est dans un Bet HaKnesset. Baruch Hashem. Amroulé les Rabbi Yochanan. On a dit à Rabbi Yochanan. Ika Sabé Be Bavel. Il y a des grands-pères en Bavel. Ouais. Donc en Galoute. Il y a des grands-pères, des vieilles personnes. Tama Ve'ama. Il a été étonné et il a dit. Les Ma'an Irbou Yemechem Vime Venechem Ala Adama. Il y a marqué dans le schéma, dans le Sefer Devarim, que Akadosh Baruch Hu, il va multiplier les jours et les jours de des enfants à la Adama, à Kavana, sur la terre d'Eret Israël. Ouais. Vachma de là, il a compris qu'en Chutz Laaretz. Alors les gens, ils ne pouvaient pas vivre longtemps. Les juifs ne pouvaient pas vivre longtemps en Chutz Laaretz. Ktiv, Aval Bechutz Laaretz, l'eau. Il y a écrit à la Adama, et il n'y a pas écrit en Chutz Laaretz. Quand on lui a dit à Rabbi Yochanan, ils vont très tôt au Bet HaKnesset et ils partent très tard du Bet HaKnesset. Alors il a dit, Amar, haïnou de Léon. C'est ce scrout-là qui leur a servi à vivre longtemps. Amar Rabbi Yochanan ben Levi, comme a dit Rabbi Yochanan ben Levi à son fils, Kidmou vechashichou, vaïlou le Bekenishta. Devancez et faites. Chashirou, c'est Akavana faire le tard, quoi, tard dans la nuit. Hein. Vaïlou, le Bekenishta, et soyez au Bet HaKnesset, qui échid et tochou chaye, parce que grâce à ça, vous allez vivre longtemps. Nous, Baruch Hashem, il est tard, on est au Bet HaKnesset, et on est à Israël. On n'a pas dit qu'on est venu tôt. Ah, Baruch Hashem. Ah, oui. On est venu tôt. Amar Rabbi Acha et Rabbi Hanina. Baruch Hashem. On se rend pas compte le scrout qu'on a d'être en Eretz Israël et d'étudier la Torah en plus. Amar Rabbi Acha et Rabbi Hanina. Rabbi Acha, il a dit au nom de Rabbi Hanina. Maïkra, qu'est-ce qui veut dire le pasouk? Ashrei Adam Shome Ali, Lishkod Al Dal Totai, Yom Yom, Lishmor Mezot Petachai. Donc, heureux l'homme qui m'écoute et qui garde mes portes, Yom Yom, chaque jour, Lishmor Mezuzot, garder les Mezuzot Petachai de ma porte. Ourtif Batré, il a écrit juste après, Kimotsi Matsachaim, et il a trouvé la vie. Donc la kavana de ce pasouk-là, hein, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est un pasouk dans Michelet, que Akadosh Baruch Hu, il promet à celui qui est souvent au Bet HaKnesset, qui garde ses portes et sa mezuzot, etc., et le matin et la nuit, alors Yom Yom, il va vivre longtemps. Ouais, c'est pour expliquer ce qu'on a vu juste avant. Amar Afrizda, Leolam Ikanes Adam, Shne Ptachim Bet HaKnesset. Donc comment on doit rentrer au Bet HaKnesset? Shneptachim, oui. La Gemara elle pose la question, Shneptachim, ça décale de la tare. Quoi, il faut rentrer par deux portes obligatoirement quand on est au Bet HaKnesset. Et alors quoi, ceux qui ont une seule porte, les Bet HaKnesset qui ont une seule porte, on va pas là-bas, hein. Donc c'est la question de la Gemara. Et là, réponse de la Gemara, Emma, non, il faut dire, Shiur, Shneptachim, la Harkar, Itbalel. Donc il faut pas rester dans l'entrée du Bet HaKnesset, hein. Parce que quand on reste dans l'entrée du Bet HaKnesset, on monte par là qu'on est pressé de partir, hein. Donc rentre comme s'il y avait l'espace de deux portes. Et une fois que tu as dépassé cet espace, là-bas, tu peux prier. Mais quand tu es trop proche de la porte, ça montre que tu as envie de partir. Alzot, on continue. Alzot itpalel kol chassid elecha. Donc c'est un pasouk dans Tehilim. Sur ça, il y a un pasouk dans Tehilim qui dit, sur cette chose-là, chaque personne qui est chassid, il va prier. Ouais. Let metzo pour... parce qu'il a besoin de ça. Hein. Maintenant, la question, elle est, c'est quoi les Hetmetso? Oui? Les Hetmetso, c'est quoi cette chose-là sur laquelle il faut prier et qui est très, très demandée? Amar Rabbi Hanina, plusieurs avis sur la question. Amar Rabbi Hanina, il a dit, Zoïcha, c'est la femme. Sheneemar, Matzaïcha, Matzatov. Donc, il faut prier pour avoir une bonne femme. Et grâce à Dieu, et Bezrat Hashem, le passage qui témoigne que celui qui a une bonne femme, Matzaïcha, Matzatov, celui qui a trouvé une bonne femme, alors il a trouvé le bien. Ouais, ben Maharava, en Eretz Israël, qui nasiv inash iteta, amreleachi. Quand un homme il se mariait, après qu'il se soit marié, on lui disait comme ça en Eretz Israël. Matza ou motze, tu as trouvé ou tu trouves, ouais.
Alors, la Gemara, elle explique, elle dit, matin, c'est quoi la kavana de matin? Dirtiv, matza isha, matza tov. Donc, il ramène le verset qu'on vient de voir, qui est, si jamais il dit, il répond matza, alors, ça veut dire qu'il a trouvé une bonne femme. Viafek, ratson, me hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, il a aidé dans ce sens-là. S'il répond motze maintenant, par contre, s'il répond motze, dirtiv, ou motze animar, mimavet, et haisha, vechoule. Et dans le cas où il n'a pas trouvé une bonne femme, alors, il répond, il a trouvé plus amer que la mort. Ouais. Rabbi Nathan, il nous dit, l'et metzo, zotora. Donc, l'et metzo, Rabbi Nathan, il faut prier pour bien connaître la Torah, pour être accroché à la Torah. Chez Nehemar, ki moti matza chaim. Et chaim, c'est la Torah. Ouais. Qu'est-ce qui donne de la vie? La vie, c'est la Torah. Rav Nachman Baritrak, il dit, l'et metzo, zomita. Donc, il faut prier pour avoir une bonne mort. Chez Nehemar, la mavet totsaot. Et là, la Gemara, elle va continuer, elle va donner un détail pourquoi il faut prier pour avoir une bonne mort. Tania Namiari, ainsi c'est écrit dans une Braïta, Tcha meot ou shlosha minemita nivreu baolam. Ouais. Combien? 903 sortes de morts à Kadosh Baruch Hu il a créé dans ce monde. Chez Nehemar, la mavet totsaot. Gematria totsaot. Totsaot be gematria, achi avou. Gematria de totsaot, c'est 903, j'ai pas fait le calcul, mais je suis sûr que d'autres l'ont fait avant moi. Kasha Bekulan, donc la Gemara elle développe un peu. La plus dure de toutes les morts, ouais, c'est Askera. Askera, alors Rashi l'explique et d'autres aussi, et la Gemara aussi elle va expliquer par la suite un petit peu. La Askera, c'est une maladie qui s'appelle diphtéria, la ici. La diphtérie, ouais. C'est la gorge qui. Voilà. Comment? La gorge, elle gonfle, elle enfle, elle se retrécit, ouais. Et il n'arrive plus à respirer, doucement, il s'étouffe, il n'arrive plus à respirer. Ouais, Lohanenu. Ça, c'est la plus dure d'entre elles. Rachid dit, mais c'est là. Étranglement. Étranglement. Ouais, il s'étouffe. Ok. Nicha Shebekulan, la plus douce d'entre elles, c'est quoi? Neshika, Mitat Neshika, ouais. Askera Damia Kechizra Bigvava de Amra. La Askera, elle ressemble à. Quand la Neshama. Là, c'est un dogma qu'elle va donner la Gemara. Quand la Neshama, elle sort du corps, c'est comme si on arrachait une pelote de laine qui est accrochée à des ronces. Ouais. Donc, ça prend du temps et on lui laisse des plumes, comme on dit. Ouais. De la laine. De la Choré Nashra, après qu'on l'ait retirée. Veika de Amra, il y en a qui disent que. Kefitoure Befi Veshet. Que, comme si on rentrait une corde très, très grosse et très dure, ouais, vous voyez les cordes qui sont enroulées comme ça, dans un petit tuyau comme ça très fin, et on le tire, ouais, donc ça fait très mal. Neshika Damia, et par contre la mitat Neshika ça ressemble à quoi? Le mourir par le baiser d'Akadosh Baruch Hu, ça ressemble à quoi? Damia ke mishral binita mechalava. Quand on enlève un cheveu dans un verre de lait, alors c'est doux comme ça la mort d'un truc, c'est rapide, ça fait pas mal, y a pas de problème. Y a pas de risque. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut mourir, il faut prier pour mourir d'une bonne mort. C'est ça les et mezzo. Rabbi Yochanan il dit, les et mezzo zokvura. Il faut prier pour avoir un bon enterrement. Ouais. Amar Rabbi Chanina, Maikra, c'est quoi le verset dans Yov, Asemechim Eli Gil, Yassisou Kimtsevu Kaver, Celui qui est heureux, c'est celui qui a trouvé un bon cercueil, ouais, une bonne tombe. Amar Rabba Barav Shila, Ainuda Amrinche, c'est ainsi que les gens ils disent, Libae Inash Rachame, que les gens ils doivent prier, Afilu Ad Zibula Batraita Shelama, il faut prier surtout jusqu'au dernier coup de pioche que les mecs, les personnes qui font l'enterrement, hein, ils prennent de la bonne terre et qu'ils jettent comme il faut sur la. Que ce soit Béchalom, comme ça, jusqu'à la fin, qu'il n'y ait pas de problème dans le jour de la Kvoura. Ici, il rajoute le mot Béchalom, Shlama, ouais. Que toute sa vie, elle passe Béchalom jusqu'au moment où, à son enterrement, ouais. Donc de là, on apprend que, enfin, de là, lui, il apprend Rabbi Yochanan, qu'il faut prier même sur un bon enterrement. Marzoutra Amar, Leet Metso, Zebet Akise, le Marzoutra, il a dit que Leet Metso, il faut prier pour avoir un Bet Akise. À l'époque, ils n'avaient pas des toilettes dans leur maison.
il fallait prier pour que les toilettes elles soient proches, parce que ça, c'est embêtant de ne pas avoir des toilettes à proximité quand on en a besoin. Ouais. Amré Bema Arava, en Eretz Israël, on disait, ah, des Marzoutra, dit Famikul, ou la raison de Marzoutra, l'explication de Marzoutra dans le Léat Metzo, qui est les toilettes proches, ouais, c'est le mieux de tous, ouais, c'est Adiv de tout. Amar le Rava le Rafram Bar Papa. Rava, il a dit à Rafram Bar Papa, les Malan Mar, est-ce que Rafram Bar Papa, il peut nous dire, mais Anemile, mais Aliata, de Amart Mishme de Rafrizda, un Dvar Torah que tu as entendu au nom de Rafrizda, Bemile de Bekenishta, au Beta Midrash, sur le sujet du Beta Knesset, pardon, j'ai mal traduit. Amar le, il lui a répondu Rafram Bar Papa, Achi Amar Rafrizda, ainsi a dit Rafrizda, Maï Dirtiv, pourquoi c'est écrit Oev Hashem Shaare Tzion, Mikol Mishkenot Yaakov, que Akadosh Baruch Hu, il aime le Shaare Tzion, les portes de Tzion, Mikol Mishkenot Yaakov, de tous les parts de Yaakov, ouais, de tous les domaines de Yaakov. Oev Hashem, donc l'Agma l'explique, Oev Hashem Shaarim Ametsuyanim Baalacha, Akadosh Baruch Hu, il aime les gens qui s'assoient et qui étudient la Halacha. Yoter, mi bate knesiot, ou mi bate midrashot. Plus que tous les bate knesiot, plus que toutes les synagogues et toutes les maisons d'études. Vaino de Amar, Rabbi Chia Barami, Mishme de Oula. Et c'est comme ça que Rabbi Chia Barami, il a dit au nom de Oula. Miyam Shechav bet amigdash, en lo le akadosh baouchou, beolamo, et la arba amot, shel alacha bilvan, que depuis que Akadosh Baouchou, depuis que le bet amigdash, il a été détruit, ouais, Akadosh Baouchou, il réside dans les quatre coudées de la halakha, il est proche des gens qui étudient la halakha. Ouais. Ve'amar Abaye, Meresh Ava Garcina, Ve'amre Abaye, Abaye il a dit, Meresh Ava Garcina, Bego Beta, Matzlena, Bevek Kenishta. Au début, donc Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Au début, il étudiait à la maison, ouais. Et après, il allait au Beta Knesset pour prier. Dès que j'ai entendu ce qu'il a dit Rabbi Chia Barami, Mishme de Oula, dès qu'il a entendu ce qu'il a dit Rabbi Rehuda Barami au nom de Oula, Miyam Shechav et Amigdash en Ola Kadosh Baruch Hu Beolamo et l'Arba Mojel Alacha Bilvan, que la Kadosh Baruch Hu il se situe dans les quatre coudées de la Alacha, Lo Ava Matlena et la Echad et Garcina, je faisais ma tfila toujours à l'endroit où j'étudiais. C'est logique, hein? Il étudiait la halakha dans un certain endroit. Si Akadosh Baruch Hu il est là maintenant, alors j'ai intérêt à faire ma tefila ici. Je ne vais pas aller au Beit HaKnesset, puisque Akadosh Baruch Hu il est là maintenant. Adi, derrière Hagav, c'est Nifsak dans le Shulchan Aruch. Hein. Là où il vaut mieux prier. Il vaut mieux prier au Beit HaMidrash qu'au Beit HaKnesset. Halakha du Shulchan Aruch. Donc, après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a le Berova Madrat Meler, que quand il y a beaucoup de monde, alors la tefila, elle est encore plus. Elle prend plus de puissance. Mais c'est vrai que l'importance du Beit HaMidrash, il n'est pas moindre, il ne faut pas négliger. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Afalgav de Avuleu Tlesar Bekenishta, Rabbi Ami et Rabbi Assi, bien qu'il y avait Tlesar, c'est 13 Beit HaKnesiot Bitveria à Tiberia, de là où ils habitaient, Lo Metzalou et la Bene Amoudé, et Chad de Avu Garcé. Ils ne bougeaient pas de l'endroit où ils étudiaient, et c'est là-bas, entre les colonnes de l'endroit où ils étudiaient, là-bas ils priaient. Ve'amar Rabbi Chia bar Ami Mishme Deula Gadol Anene Migio Yoter Mire Shamaim. Donc plus grand est celui qui profite de son travail personnel plutôt que, et là ils traduisent ici, plutôt que, pas Mire Shamaim, ils traduisent plutôt que le travail des autres, ouais, plutôt que de profiter des autres. Akadosh Baruch Mire Shamaim, comme ça ils comprennent que Mire Shamaim c'est Akadosh Baruch Hu Mina Shamaim, ils sont Megalgelim les choses pour que les gens ils lui donnent cette chose là, ouais, donc. Le travail de. Vaut mieux profiter de son travail personnel plutôt que du travail des autres. Ouais. C'est comme ça qu'il faut traduire. Deilo Gabe Yere Shamaim Ktiv. Pour celui qui profite des autres, ouais. Profite. J'aime pas le mot profiter, c'est péjoratif, mais. Il cède. Il se fait aider par les autres, ouais, on va dire. Même ça, c'est un peu péjoratif. Ashre Ish Yare Et Hashem. Ouais, pour donner une petite image, ouais. Le Rav Ranchaya, il donne toujours l'exemple de quelqu'un qui fabrique une table. Hein. La personne, elle fabrique une table. Ça, c'est des tables de Ikea. Hein. Une personne qui fabrique la même table. Hein. Et,
et il a fabriqué, il s'est cassé la tête, il a acheté les planches, il les a coupées à la bonne taille, il les a sciées, il les a fixées. Il a créé sa table. Maintenant, chaque personne qui va vous venir, il dit voilà, je te donne une table neuve de Ikea, toi tu me donnes la tienne. Il va lui dire non, ouais, il a mis de sa neshama dans cette table-là. Donc il est plus proche de cette table parce que c'est lui qui l'a fait. Ouais. Donc c'est ça qu'il nous dit. On préfère profiter de ça, de son travail. Des ilu gabei yere shamaim k'tiv. Ashrei ish yare et Hashem. Heureux celui qui est yare et Hashem, qui se tourne toujours vers Akadosh Baruch Hu. Des ilu gabei nene migio. Celui qui profite de son travail k'tiv. Yegia kapera ki tochel. Ce que tu mangeras du travail de ta main. Hein? Ashrecha vetovlar. La Gemara dit heureux et il sera bon pour toi. Ashrecha ba'olam hazeh, heureux pour toi dans ce monde-ci. Vetovlach la'olam haba, et ce sera bien pour toi dans le monde futur. Ulgabei yerei shamayim, et au sujet de celui qui profite des autres, alors vetovlach l'octif b. Il n'y a pas écrit vetovlach pour lui là-bas. Donc c'est vrai que dans ce monde-ci il va profiter, mais dans le monde futur il n'aura rien en main avec lui. Damar abichia barami mishme deula. Tout ça, tout ce qu'on voit là maintenant, c'est des mémorotes, des citations de Rabbi Chia Barambi au nom de Oula. Leolam yadur adam bimkom rabo. Toujours un homme, il doit vivre proche de son rab. Chez Kolzman, chez Shimin Ben Gera Kayam, que tout le temps où Shimin Ben Gera, il était vivant, lo nasa Shlomo et bat paro, Shlomo Ameler. Il s'est pas marié avec la fille de Paro. Quand Shlomo Ameler s'est marié avec la fille de Paro, c'est elle qui lui a tourné la tête un petit peu. C'est là qu'il a commencé à mal tourner. Hein. Tant que son rave, qui était Shimi Ben Gera, il était vivant, alors Shlomo Ameler, il allait dans le droit chemin. Dès que son rave, il est niftar, alors Shlomo Ameler, il a commencé à partir de côté. Ve'atania. Donc on voit que c'est important de vivre là où son rave, il est. Donc Ve'atania, la Gemara pose la question. Et pourtant, on a une braïta qui dit, Aliadon, qu'un homme, il ne doit pas vivre proche de son rave. Ouais. Donc il faut savoir, il faut vivre proche de son rave ou il ne faut pas vivre proche de son rave. L'okashia, la Gemara répond, c'est pas une contradiction. Ah, des kayefle. Ah, des lokayefle. C'est qui pour lui? Non, kif, ça n'existait pas encore à l'époque de la Gemara. Kayef en arabe, ça veut dire, s'il est mit kofef, ouais, s'il écoute les tochachot de son rave, s'il écoute les remontrances de son rave, alors ça vaut le coup qu'il habite proche de son rave, parce que son rave, il va lui faire des remontrances, il va les écouter. Par contre, s'il n'écoute pas les remontrances de son rave, alors il vaut mieux pas qu'il soit proche de lui. Parce que son rave, il va lui faire des remontrances, et malgré tout, il va faire des avérotes, hein, il va recevoir double punition. Non seulement il n'a pas écouté son rave, et en plus de ça, il a fait une avéra. Hein. Donc c'est ça la différence entre les deux. Amar Ravuna Bar Yehuda, Amar Rabbi Menachem, Amar Rabbi Ami. Maïdirtiv, pourquoi c'est écrit « Vosve Hashem Yichlou » Que ceux qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk là dans Ishaïa, qui nous dit que celui qui quitte Akadosh Baruch Hu, alors il va être exterminé. Zé Ameniar Sefer Torah Veyote. C'est celui qui laisse le Sefer Torah qui est ouvert dans le Beth Knesset. Ils sont en train de dire dans le Beth Knesset le Sefer Torah, et lui il s'en va, il sort de la synagogue. Veyote. Rabbi Abaou Nafik Ben Gavra Le Gavra. Rabbi Abaou, comment il faisait pour sortir du problème? Il sortait de Beth Knesset quand il avait besoin de sortir, entre chaque montée. Bah et Rav Papa, il a posé la question. Ben Psuka le Psuka Mahou. Quel est le din? Est-ce qu'un homme il a le droit de sortir entre chaque pasouk qu'on lit dans la Torah? Chaque montée, il n'y a pas de problème, parce que le Sefer Torah il est fermé. Donc, Ben Gavra, c'est entre chaque montée. Donc il a dit, lui, il sortait entre chaque montée. La question elle est entre chaque pasouk. C'est pourquoi la question? Ouais, voilà, j'attendais cette question, ouais. À l'époque, entre chaque verset qu'il lisait dans la Torah, il traduisait en araméen. Ouais. Est-ce que pendant la traduction, un homme il a le droit de sortir? C'est ça la question. Réponse, t'es coup. On attend Eliyahu Hanavi, Bezrat Hashem, ce soir, pour nous donner la réponse. Rav Shechet, Madar, Ape, Vegaris. Rav Shechet, quand il y avait le Sefer Torah, alors lui, il se tournait, et il étudiait la Torah. Lui, il étudiait ce qu'il était en train d'étudier là. Amar, il disait... Anan Bedidan, eux, ils sont en train d'être au sec Batora, de ce qu'ils sont en train de lire. Veino Bedidou, et moi, je suis en train d'étudier un autre sujet, mais c'est pas grave, j'étudie aussi la Torah. Ouais. Donc il n'avait pas de problème. Amar Avuna, on continue. Bar Yehuda, Amar Rabbi Ami. Toujours Ravuna Bar Yehuda au nom de Rabbi Ami. Ah non, c'était pas au nom de Rabbi Ami tout à l'heure. C'est au nom de Rabbi Menachem, et après Rabbi, au nom de Rabbi Ami.
Léolam, Yashlim Adam Parshiotav, Imatibur, Shnaï Mikra, Ve'echad Targum. Voilà le mekor, comment dis-je le mekor ? La source de la halakha de Shnaï Mikra, Ve'echad Targum, qu'il faut lire deux fois le verset de la Torah et une fois sa traduction. Va'filu Atarot Vedivon, et même le verset qui est dans Bamidbar, Atarot Vedivon, qui n'a pas de traduction en araméen, chez Kol Amashlim, il faut le lire, il faut lire Shnaï Mikra, Ve'echad Targum. Sans le Targum, il faut le lire. Chez Kol Amashlim Parashiotav Imatibur, tout celui qui complète ses parashiotes avec, les parashiotes avec le Tibur, Marichin Lo Yama Veshenotav, le Rav Peretz il aime bien dire que c'est une assurance vie, que ça rajoute de la vie, ça, on lui rajoute des jours et de la vie, et des années. Pardon. Rav Bibi Barabaye, ça va. Rav Bibi Barabaye y pensait, la Shlumin Hu, les parashiata, des Kuleshata, Bemale Yoma, des Kipure. Lui, il s'est dit, je ne vais pas me casser la tête, je vais faire une fois par an, je vais faire Shnei Mikra Ve'echad Targum d'un coup de toute la Torah, quand ça, et Erev Yom Kippour. De toute façon, les gens, ils sont préparés pour Kippour, moi, je vais faire Shnei Mikra Ve'echad Targum. Tana le Chia Barav Midifti. Donc, il lui a dit, il lui a répondu, K'tiv y'a écrit, Ve'initem et Afshotechem, Betisha la Chodesh Ba'erev. Il y a marqué dans la Torah, pour Yom Kippour, qu'il faudra se faire souffrir le 9 Ba'erev, ouais, le 9. Vechi, Betisha, Mitanim, et pourquoi c'est le 9 qu'on est en train de jeûner, et c'est pas le 9. Vealo, Basiri, Mitanim, on jeûne le 10 de tish, du mois de Tishrei. Ouais. Et là, l'Omar Lecha, donc pourquoi il y a marqué Tisha, la Chodesh, le 9 du mois? Parce qu'il y a marqué, pour nous dire, pour nous apprendre quoi? Kol, Aochel, Vechote, Bachi, tout celui qui mange et qui boit le 9, Male, Ala, Vakatouf, Keilo, Mitane, Tchi, Vasiri, le Pasouk, il lui donne un srout, comme s'il avait mangé. Comme s'il avait jeûné le 10 et le 9. Ouais, le 9 et le 10, du mois de Tishrei. Deux jours. Ça va, donc il voulait faire les rêves Kippour, il a changé d'avis maintenant. Ça va, il a pensé le faire ça un autre jour, mais faire tout, pour toute l'année, un jour en avance. Ouais. Parce que Yom Kippour, c'était la fin de la lecture. On avait déjà lu, dans certains cas, on a déjà lu Azinu, et maintenant on attend juste Simchat Torah pour dire Vezat HaBeracha. Mais lui, il a pensé, peut-être que je le fais quelques jours après Sukkot, et je fais déjà pour toute l'année, je fais Shnei Mikra Ve'echad Targum. À Marley, à où ça va? Un zaken là-bas, un vieux, il lui a dit là-bas, Tanina, on a enseigné dans une braïta, ou Bilvat, lo yakdim, ve lo yacher. Mais il faut faire attention de ne pas devancer et de ne pas retarder. Alors, la base est marquée qu'il machine, d'accord, par exemple, il m'a dit ça peut dire Mashlim Parashiotav à la fin de l'année, ouais. Je veux dire, à la fin de l'année, j'ai fini tout là-bas. Imatibour, le Tibour, il finit à la fin de l'année. Moi aussi, je finis à la fin de l'année. Kedamar Léou, Rabbi Yoshua Ben Levi, Libné. Comme ça a dit Rabbi Yoshua Ben Levi à ses enfants, Ashlimu Parashiotav, Richou, Imatibour, compléter la Parasha avec le Tibour, Shnei Mikra Ve'echad Targum, Ve'izaru, Bavridin, et faites attention aux Vridin, aux veines, ouais. Quand ils font, on continue, que Rabbi Houda, comme Rabbi Houda, ditnan, comme c'est écrit dans une Mishnah dans Choulin, Rabbi Houda Omer, Rabbi Houda, il nous dit, Achei, Shrot et Avridin. Rabbi Houda, il pense que pour faire la shrita à un poulet, il faut non seulement couper la trachée, les deux simanim, ouais, les deux simanim, et il faut aussi couper le poulet, il a deux veines qui sont collées là-bas, il faut aussi les couper ces deux veines pour que la shrita soit clara d'après Rabbi Houda. Ouais. Et donc lui, il leur disait, Rabbi Yoshua ben Levi disait à ses enfants, faites attention comme Rabbi Houda, faites la shrita des poulets comme Rabbi Houda. Vizaru bezaken, et faites attention à un vieux, Shechachar Talmudo Mihamatonso, qui a oublié son limoud, qui a oublié sa Torah, parce qu'il était malade par exemple, il a eu un cas de force majeure, où il était malade, ici il explique, où il a dû partir travailler pour la Parnassa, et donc à ce moment-là, il a oublié sa Torah. D'Amrinan. Pourquoi il faut faire attention à un zaken? Parce qu'on a dit, l'uchot, veshivre l'uchot, monachot baaron. Qu'est-ce qu'il a mis Moshe Rabbeinu dans le Aaron à Kodesh? Il a mis les l'uchot abrit qu'il a reçu la deuxième fois, et aussi les premières l'uchot qu'il avait cassées la première fois. Ouais, les deux, elles sont dans l'arche sainte, ouais, dans le Aaron. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Même si les l'uchot abrit, les premières, elles ont été cassées, et donc elles n'ont plus la même importance qu'avant, elles ont quand même une certaine importance, il faut les garder avec le kavod autant que les deuxièmes, ouais, au moins autant que les deuxièmes. Donc il faut faire attention, même aux vieilles personnes qui ont perdu un peu la tête. Amar Léou, Rava Libné. Rava, il a dit à son fils, que Keshatem Chotrim Basar, quand vous coupez, là c'est des petits conseils qu'on va avoir, quand vous coupez de la viande,
Al tartechu al gavayat. Ne coupez pas la viande quand vous la tenez dans la main. Ouais. Ikadamre. Il y en a qui disent mishum sakana, parce que c'est dangereux, il peut se couper la main. Mais ikadamre, mishum kil koulé, c'est Ouda. Il y en a qui disent parce que s'il se coupe un petit peu, il va avoir du sang qui va tomber. Et ça va abîmer la Seouda, qui est en train de se préparer. Ve'altejvu almita, ve'altejvu almitat aramit, et ne vous asseyez pas sur le lit aramit. On va voir plusieurs explications, c'est quoi aramit. Ve'altavru achore bataknesset, et ne passez pas derrière un bataknesset. Mesha'ash et atzibur mitpalelin, pendant que le tzibur est en train de prier. Et nous on rentre pas, on passe derrière le bataknesset, le tzibur est en train de prier et on rentre pas. Ve'altejvu almitat aramit. Qu'est-ce que ça veut dire, altejvu almitat aramit? Ika de'amre. Il y en a qui disent, lo tignou, belo kriachema. Ne allez pas vous coucher sans avoir fait le kriachema. Parce que dans ce cas-là, ça ressemble à un lit de goy. Hein? Rami, c'est un goy. Hein? C'est un peuple, un des peuples qui n'est pas juif. Et donc, si jamais on va se coucher dans un lit sans avoir fait la kriachema, ça ressemble à un lit d'un goy. Il y en a qui disent, de lo tinsevu, giorta. Que de ne pas se marier avec une femme qui était aramite, qui était guiorette, mais qui était aramite et qui s'est convertie. Faudrait... Pourquoi? Ouais, pourquoi? Non, c'est parce qu'elle n'était pas guiorette. Non, c'est pas pour ça, parce que Rava, c'est Rava qui parle, ouais, je vous rappelle. Et Rava, c'était un Kohen. Un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une convertie, je crois. Non, ouais. On continue. Vika d'Amré. Il y en a qui disent que c'est quoi un mita aramite, un lit d'une aramite. Aramite mamash, vraiment une femme aramite. On n'a pas le droit de s'asseoir sur son lit. Mishum maase de Rav Papa à cause de ce qui s'est passé avec Rav Papa. De Rav Papa azal et gabé aramite. Parce que Rav Papa, il a été voir une aramite pour une question qu'il avait. Otsi alo mita, elle lui a sorti un lit pour s'asseoir. Amralo, chef, elle lui a dit assis-toi. Amarle, eni yoshev, ad shetakbi et amita. Je ne m'asserai pas dessus tant que tu n'as pas levé le lit. Gbia et Tamita, ou Matsu Sham Tinokmet, ils ont trouvé là-bas un bébé mort, elle voulait faire porter le chapeau voilà, à Rav Papa. Mikan Amrou Khamim, de là les Khamim ils ont dit, Asur les chèvres, Al Mitat Aramit. On continue. Zéal Tavrou Achore Beta Knesset, Beshach et Tsibour Mitpalelim. Et il fallait pas, il leur a dit qu'il fallait pas passer derrière un Beta Knesset. Alors, au moment où le Tzibour il priait, mais ça y allait, les Rabbi Yoshua ben Levi, ça va bien après ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, d'Ama Rabbi Yoshua ben Levi, Asur lo le Adam chez Avor Achore Bet Akneset, Beyashaa chez Tzibour Mitpalelim, qu'un homme il n'a pas le droit de passer derrière le Bet Akneset pendant que le Tzibour il prie. Amar Abaye, Velo Amaran, et là, Deleka Pitra Haina. On parle dans un cas où il n'y a pas une autre porte dans le Bet Akneset. Comme ça, les gens qui le voient, ils pourront dire, bon, c'est vrai qu'il ne rentre pas maintenant dans cette porte-là, hein, mais il va rentrer dans la porte d'après. Donc ça sort pas, il n'y a pas un mauvais nom qui va lui sortir. Avalika Pitra Harina, mais si jamais il y a une autre porte, l'etlanba, il n'y a pas de problème. Velo Amaran, et ce qui a été dit, ça n'a pas été dit, seulement, Deleka Bekenishta Harina, dans un cas où il n'y a pas d'autre Beta Knesset, il n'y a pas d'autre synagogue dans la ville. Aval, Ika Bekenishta Harina, par contre, s'il y a une autre synagogue dans la ville, l'etlanba, il n'y a pas non plus de problème, parce que les gens ils vont se dire, alors il va aller dans l'autre synagogue. Velo Amaran, et là, de l'eau d'Aretuna, vélo raït, vélo manatfilin. On parle dans un cas où la personne, elle n'est pas en train de porter quelque chose de lourd. Ou alors, une planche en bois, par exemple, ou quelque chose de. Une charge. Vélo manatfilin. Et il n'avait pas les tfilin. Avalika, achad, manar, letlanba. Mais si jamais il a un des trois, par exemple, il avait les tfilin, alors c'est sûr qu'on ne va pas le prendre pour un rachat. Il a les tfilin sur la tête. S'il ne rentre pas dans le Beta Knesset, c'est qu'il a une bonne raison. Ouais? On continue. Tania, on a une braïta qui nous dit, Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit, Bishlosha Dvarim, Oev Ani et Amadiim. Il y a trois choses que des peuples qui ne sont pas juifs, les Madiim, ils font, et que je respecte ce qu'ils font. Keshe Chotrim et Abasar, quand ils coupent la viande, En Chotrim et là, Algabe Ashulchan. Ils coupent la viande sur la table. Keshe Noshkin, En Noshkim et là, Algavian. Quand ils embrassent le dos de la main. Et ils n'embrassent pas sur la joue ou ailleurs. C'est plus hygiénique, ouais, on va dire. Donc chez Yoatim, En Yoatim et la Bassadé, et quand ils ont une discussion importante à tenir avec quelqu'un, ils le font dans les champs pour pas que les gens entendent, comme on dit, les murs ont des oreilles. Amar Ravada Barava, Ravada Barava il a dit, Maïkera'a Vaishlach Yaakov Vaikrale Rachel Ulea Sade El Tsono. Qu'est-ce qui vient de nous dire le verset que Yaakov, enfin c'est ce que le verset
vient nous dire, dans Bereshit, quand Yaakov il a voulu parler à Rachel et Léa pour leur dire, prenez vos affaires, on se taille, ouais, de chez Lavan, il a appelé Rachel et Léa dans le champ, et pas, il n'a pas dit là-bas où ils habitaient. Tania, on a une braïta qui nous dit, Amar Rabban Gamliel, l'ishloshat varim, Rabban Gamliel a dit trois choses, ani oev et ta parsiim, oev ani et ta parsiim, en tsnouim ba khilatam, quand ils mangent, ils sont discrets. Utnuim bebeta kise, et quand ils vont aux toilettes, ils sont aussi discrets. Utnuim bedavar acher, et quand ils font la mitzvah avec leur femme, ils sont aussi discrets. Ani tiviti le mekudashai. Moi j'ai. C'est un pasouk dans Ishaya. J'ai ordonné le mekudashai de détruire Babel. Ouais. Tane Rav Yosef, on va expliquer tout de suite. Tane Rav Yosef, Rav Yosef, il enseigne. Elou à Parsiim, à Mekudashim, Ouzmanim, la Guinom, c'est pour les parler des Parsiim, les Perses, qui sont invités directement au Guinom, sans passer par la case départ. On continue. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel il nous dit. Ah, c'est la Mishnah. Ouais, la Mishnah elle avait dit, Rabban Gamliel Omer, que. Voilà, il faut lire Adjeyale Amudashara, il faut lire le schéma. Le schéma de Kriyat Shema de la nuit, jusqu'à quand on a le droit de le lire? Jusqu'à le lever du soleil, Amud HaShachar. Jusqu'à l'aube, pardon. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Alacha ke Rabban Gamliel. Là, Alacha, elle est comme Rabban Gamliel. Tania, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben Yochai, Omer. Peamim Shadam Kure Kriyat Shema, Shte Peamim Balayla. Des fois, un homme, il lit le schéma deux fois la nuit. Achat kodem sheyale amudashachar, une fois avant l'aube, ve'achat le'achar sheyale amudashachar, et une fois après l'aube. Ve'yotze ba'em yedechovato, et il s'acquitte de la mitzvah, achat shel yom, une fois de la journée, ve'achat shel laila, et une fois de la nuit. Donc s'il a lu avant amudashachar, une fois avant l'aube, et une fois après l'aube, alors il s'est acquitté des deux mitzvot, hein, et de la nuit, et du kriyat shema de la nuit, et du kriyat shema de la journée. Hein. Ah, Goufa Kachia, donc de ce que tu me dis, il y a une contradiction. Amar Peamim, tu as dit Peamim des fois Adam, chez Adam Kore Kriyat Shema, chez Peamim Balaila, que l'homme des fois il lit deux fois la nuit le Kriyat Shema. Alma le Achar chez Yale Amud Ashachar, là il a où? Ça veut dire qu'après l'aube, ça s'appelle encore la nuit. Ouais? Ve Adar Tane, et ensuite tu as dit Yotse Baim Yedechovato Achat Shel Yom Vachat Shel Laila. Alma Yemama où? Et donc de notre côté, après l'aube, ça s'appelle la journée. Donc il faut savoir, l'aube, après l'aube, c'est la journée ou c'est la nuit, hein? Réponse de la Gemara, non. Léolam, là il a où? Non, après l'aube, c'est la nuit. Réponse de la Gemara, après l'aube, c'est la nuit. Véa décaré le yom, et pourquoi je l'appelle jour? Dekainche, dekaime be'aishata. Parce qu'il y a certaines personnes qui se lèvent à cette heure-ci. À l'aube, il y a des gens qui se lèvent à l'aube pour aller travailler, pour aller faire la tfila, pour aller prier au net, hein? Alors ça s'appelle la journée, pour eux, ça s'appelle la journée. Hein? Amar avacha barach hanina. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha, Alacha, que Rabbi Shimon ben Yochai, Alacha et que Rabbi Shimon ben Yochai. Donc maintenant, on va voir la même discussion qu'on a vue de Rabbi Shimon ben Yochai, mais c'est un peu, d'après certains, elle est un peu, la discussion, elle n'est pas exactement de comme on a dit. Ika de matne lea de rabacha, ba chanina, aha. Il y en a qui enseignent ce qu'on vient de voir différemment. Des Tania, que la Braïta, elle dit comme ça en fait. Rabbi Shimon ben Yochai, Omer, Mishum Rabbi Akiva, Peamim, chez Adam Kori Kriyat Shema, Shte Peamim Bayom. Des fois, l'homme, il lit le Kriyat Shema deux fois la journée. Achat Kodem Anet, Sachama, Veachat Leachar Anet, Sachama. Une fois avant le net, le lever du soleil, et une fois après le net. Veyotse Baem Yedechovato, et il est acquitté de la mitzvah, Achat Shel Yoyom, Veachat Shel Laila. Celle qui est après le net pour le jour, et celle qui est avant le net pour la nuit. Ouais, d'après cet avis. Hagoufa Kashia, même question qu'on a posée juste avant. C'est une contradiction en soi? Amar peamim shadam kori kriyat shema shte peamim beyom alma kodem anetzachama yemama ou si tu me dis qu'il lit la journée, ça veut dire qu'avant le netzachama, c'est le jour ve'adar tane, et juste après tu me dis yotze baem yedechovato achat shel yom v'achat shel laila alama laila ou, ça veut dire que celle que tu es en train de lire avant le net, c'est pour la nuit, c'est la kriyat shema de la nuit, donc ça veut dire que avant le net, c'est la nuit, donc il faut savoir, c'est la nuit ou c'est le jour? Réponse de la Gemara. Avant le net, c'est la journée. Veaï, déca roulé, Leila. Et pourquoi alors tu l'appelles la nuit? Déca inche, parce qu'il y a certaines personnes
j'ai envie de dire la majorité des gens, dégané, Be'aïcha Adin, qui dorment encore à cette heure-ci. Hein? Amar Rabbi Acha, Be'Rabbi Hanina, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Alacha que Rabbi Shimon, Mishum Rabbi Akiva. Là, Alacha, il est comme Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Zera, ou Bilvat Shelo Yomar Ashkivenu, à condition qu'il ne dise pas, hein, ce qui est, en tout cas, ça c'est vrai, à condition qu'il ne dise pas Ashkivenu. Parce que s'il dit Ashkivenu, alors il veut dire qu'il va se coucher, mais il ne va pas se coucher vraiment. Ouais. Qui a Dar Avitrak Bar Yosef, Amar. Ah, de Rabbi Acha, de Rabbi Hanina, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Lav Befirouche Itemar, ça n'a pas été dit Befirouche, et là, Miklala Itemar. Ça n'a pas été dit Befirouche de Rabbi Yoshua Ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua Ben Levi. C'était une svara, quoi. De Ahou, Zouga, de Rabbanan, parce qu'il y a un Zoug de Talmide Chachamim, ouais, une Chavruta, ouais. De Ishtakur, Be Ilula, Dibre, hein, un binôme, ouais, un binôme, je cherchais le nom. De Ishtakur Beilula Dibre de Rabbi Yoshua Ben Levi, qui se sont saoulés au mariage du fils de Rabbi Yoshua Ben Levi, à tous les camés de Rabbi Yoshua Ben Levi. Maintenant, quand ils se sont réveillés juste après le Hamoud HaShachar, juste après l'aube. Hein, ils sont venus voir Rabbi Yoshua Ben Levi, ils lui ont dit qu'est-ce qu'on fait maintenant pour Kriyat Shema, on n'a pas fait Kriyat Shema la veille. Amar, il a dit, Kedai hu Rabbi Shimon lismoch alav bishat atrak. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a les épaules solides pour qu'on puisse s'appuyer sur lui quand on a une chatatra, quand on a un cas de force majeure. Ouais. C'était un Mechamat Ones. Donc, je ne sais pas si c'est Mechamat Ones se saouler, mais en tout cas, hein, dans un cas où on n'a pas pu, on n'a pas pu faire le schéma pour une question, pour une raison X ou Y, ouais, alors on peut être sommaire sur Rabbi Shimon Bar Yochai et en faisant le schéma après le Hamoud HaShachar, après l'aube, et ça compte encore pour la nuit de la veille. Ouais. Bahou Hadonai, d'ailleurs là, m'amène.